tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir, à la demande de Romain, Never There des Sum 41. Morceau très très simple. Voilà, il va y avoir 5 accords plutôt simples, dont un barré quand même, le Fa en barré, mais voilà, rien de bien compliqué. Deux rythmiques, et puis voilà, rien de bien compliqué. Ce que je vous propose, c'est que je me rapproche, je vous détaille. Ce qui se passe au niveau des accords main gauche, la rythmique main droite, et voir comment on emboîte tout ça pour faire un morceau sympa. A tout de suite. Au niveau des accords pour jouer ce morceau, déjà nous allons mettre un capodastre en case 2. Ensuite nous allons avoir le La mineur. Donc voilà, La mineur pour les tout débutants. Donc on ne joue pas l'accord de Mi, on commence à partir de l'accord de La. D'accord ? Et ça fait 0, 2, 2, 1, 0. Ensuite nous allons avoir un Fa majeur. Donc on barre avec l'index toutes les cordes de la première case. Et ensuite, avec le reste des doigts, on fait une position de Mi majeur. Donc ça fait qu'on va appuyer sur la corde, enfin sur les cases, pardon, 1, 3, 3, 2, 1, 1. Ok. Ensuite, nous allons avoir un Do majeur. Donc, comme le La mineur, on ne joue pas la grosse corde de Mi. Et à partir de la corde de La, ça fait 3, 2, 0, 1, 0. Nous allons avoir ensuite un Sol majeur. Donc là, on démarre de la corde de Mi et ça fait 3, 2, 0, 0, 0, 3. Et cinquième et dernier accord, nous allons avoir un Ré mineur. Donc la base de l'accord, c'est la corde de Ré. Donc on joue la corde de Ré à vide. Ensuite, ça fait 2, 3, 1. Ok ? Voilà pour les accords. Au niveau de la rythmique, nous allons avoir deux rythmiques. Couplet-refrain, nous allons avoir la même rythmique, toute simple. Et ensuite, pour le pont, on va avoir une autre rythmique. Donc la première rythmique va être la suivante. Bas, pardon, bas, 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 haut. En fait, on va jouer sur tous les temps. Et on va remonter sur le dernier contretemps, sur les et du 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et. D'accord ? Bas, 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 haut. Donc pour les couplets, nous allons avoir deux fois cette rythmique par accord. Donc ça fait... Voilà ce que ça va donner par accord sur les couplets. Et sur les refrains, nous aurons la même rythmique, mais une seule fois par accord. La progression d'accord sur couplet et refrain va être la même. À savoir une mesure de La mineur, Fa, Do, Sol. Donc sur les couplets, nous allons avoir deux fois cette progression d'accord avec la rythmique Ba, 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 O, Ba, 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 O, par accord. Ok ? Donc si je joue le couplet, ça donne ça. Encore une fois.
Ok. Ça, c'était pour les couplets. Pour les refrains, donc, nous avons la même progression d'accords, comme je disais tout à l'heure. La mineur, fa, do, sol. Par contre, la rythmique, on l'a fait qu'une fois par accord. Et cette progression pour les refrains, on l'a fait quatre fois. D'accord ? Donc ça donnerait ça. Voilà pour les couplets refrains. Donc comme tu peux voir, relativement simple, rien de bien sorcier. Profite du bas-haut pour faire tes transitions d'accords. Voilà. Sur le bas-haut, tu peux lâcher tes doigts et commencer à te placer sur le prochain accord, ça te fait gagner du temps. Maintenant pour le pont, la rythmique va être différente. En fait, on va faire que des coups vers le bas. Et on va faire 8 coups vers le bas par mesure. D'accord ? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La progression d'accord pour le pont va être une demi-mesure de la mineure, une demi-mesure de sol, ensuite une mesure de fa, une mesure de do, une mesure de sol. Ça, on le fait deux fois. D'accord ? Donc une fois que tu as fait cette progression d'accord deux fois, ensuite tu fais une demi-mesure de la mineure, pardon, une demi-mesure de sol, une mesure de ré mineur et une mesure de fa. Et une fois que tu as fini le pont, tu rattaques sur un refrain. Donc si je te fais le pont une fois, ça donne ça. Voilà, comme tu peux voir, morceau très simple, rien de bien compliqué, mis à part le fa en barré. Voilà, entraîne-toi, amuse-toi, éclate-toi. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, écoute, moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.